fait un gros plan, père. Bon alors, raconte-moi cette course, Hugo. Bah écoute, super. T'as même pas gagné. J'ai même pas gagné. Je pars donc 7ème sur la grille. Plutôt loin, hein, c'est quand même troisième ligne, c'est quand même quelque chose. Je fais un excellent départ. Je me bats pour la deuxième place au premier virage. Plutôt impressionnant. Il y a eu un gros carton derrière moi, 7 pilotes tombent. J'esquive donc c'est ça, j'étais devant. Je suis troisième au premier virage, donc je sors. Bon, moi il y avait Karl Croix et en premier Corentin Pérolari. Corentin Pérolari qui fait quand même la Renault Rookies Cup depuis la deuxième saison, donc un très bon pilote. J'arrive à suivre le rythme, je le dépasse Karl qui me repasse instantanément, mais j'étais dans le rythme avec eux. Ensuite, Karl se met, chute vraiment très fort dans le deuxième du S bleu, il fait un énorme high side. Donc là, j'arrive à l'esquiver tant bien que mal. Le safety car sort, le safety car c'est la voiture qui va. Tout le monde suit dans la voiture. Là, je me retourne et je vois que derrière moi il n'y a personne. Il y a. Merde. Il n'y avait vraiment personne. Et bon, finalement. Finalement, j'ai vu qu'ils sont revenus, mais on avait fait 8 secondes en deux tours d'écart. Donc du coup, je repars derrière Corentin, donc deuxième. Et ensuite, voilà, je vais le suivre 2 ou 3 tours, faire mon meilleur chrono là. Donc j'ai quand même encore amélioré mon chrono d'une seconde. Et ensuite, en ce cas-là, j'assure ma seconde place en travaillant un peu sur la moto. Donc j'ai fait ça comme une séance d'entraînement quand même. Voilà, regardez où est-ce que je peux progresser pour demain, et demain essayer de faire un... Et t'as pas eu peur, parce que le safety car, le problème c'est que quand le safety car sort, toutes les places, t'avais un petit peu d'avance sur le troisième, ouais. Et du coup bah, tout le monde, le troisième se rapproche et te recolle. Quand je me suis retourné et que j'ai vu qu'il y avait personne, je me suis dit oula, il y a un problème parce qu'il y avait Simon derrière moi au départ. Et quand ils sont arrivés, je me suis dit merde, j'avais de l'avance, je vais la perdre. Et quand ils sont arrivés, j'ai vu que c'était Maximilien Beau et c'était pas mes adversaires. C'était ceux. Enfin, je roulais déjà plus vite qu'eux au calife, donc je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas les autres, mais je regardais pas derrière, je regardais devant. Je voulais vraiment suivre, mon objectif c'était de suivre Corentin. Je l'ai fait quelques tours, après j'ai